Pourquoi vous êtes-vous appelé Moyen Agen? Parce qu'ici, au début, il n'y avait rien, c'était le vide. Agen, un no man's land, du rap, une terre aride, apatride, une cage sans barreaux, un ghetto d'état sauvage, isolé de tout, comme au Moyen Âge. Tout se passait là-haut, y en avait que pour Paris. C'était Paris par-ci, Paris par-là, ben plus sur Paris par car on était plongé dans l'ombre. Voilà d'où nous vient ce côté sombre, obscur quant au nombre. Hein, c'est parce qu'on ne faisait qu'un, tu vois le topo, le Moyen Âge à Agen. T'as pigé le jeu de mots, tout s'est lié, Moyen Âge 1, le concept est né, le symbole qu'ici on a dû lutter pour exister. Avec peu de moyens, se démerder seul par tous les moyens. Garder la foi parmi tous ces païens. Mais malgré tout, Moyen Âge 1, c'est moi j'aime Agen. Ma ville, ma région, loin d'elle on ne serait rien. Du tout, notre atout, un style à nous, Moyen Âge 1. Ah. Les usages d'une secte. Moyen Âge 1. Les usages d'une secte. Et votre style c'est... Un beat lourd, une basse de la tour, plus une vienne, un bon flow sur le micro. Troubadour, pas ménestrel, du rap authentique et sans concession. Venant d'autres horizons, d'une autre perception, d'une autre inspiration. On a inventé notre son, créé notre style, ressuscité l'an 1000. Mais c'est fait pour l'an 2000, avec un 1000, une 1200, la MPC 2000, un W. D'autres disques d'une autre époque, influencés par le contexte dans lequel on évolue. Si ça sonne médiéval dans chacun de nos instants, c'est parce que le Moyen-Âge est partout dans la région. Autant de tours de pierre que de tours de béton. Demande aux autres gars si c'est pas vrai. Si c'est vrai. Et le château, vous pouvez m'en parler? Ok, le château, c'est nous, c'est le groupe. Construit comme un château pour protéger nos troupes. La coupe, le concept, précieux comme un Graal, notre credo. Famille et amis sont à l'abri derrière les créneaux. Car c'est nos vies qui en dépendent. Tu comprends l'image, un château, mon gars, c'est fait pour se défendre. On voulait pas s'appeler le MC ou DJ machin. Pour suivre le concept, on a voulu aller plus loin. Chacun a pris le nom d'une partie du château. Ainsi le donjon est au platine, le pont, le billet au métro. Les remparts à la danse, la tour est à la basse. Chacun a sa fonction, mon gars, chacun est à sa place. Car qui se ressemble, ça semble, on fait face. Tous ensemble, on attaque, tout tremble. Un exemple. Ok, je suis le MC, on m'appelle le pont-levis. L'entrée ou la sortie, le maître de cérémonie. Car quand j'ouvre la bouche, un peu de nos idées s'échappe. J'affronte l'ennemi avec le rap, s'il me passe une autre étape. Les remparts s'en emparent, le percé de part en part. Dans ce tour de lui, l'ennemi était pas. S'il repart, c'est au tour de la tour qui le frappe avec un slap. Une ligne de basse à le rendre sourd. Ils ne prendront pas le donjon, le DJ. Un scratch, un passe-passe, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est le plongeon. Mais le château, c'est aussi l'esprit. Ce qu'on t'a appris, c'est pour que tu le fortifies. Ça y est, t'as compris les mots clés du concept. Je sais, c'est compliqué, gars, car Moyen Âge 1 a les usages d'une secte. Moyen Âge. Les usages d'une secte. Moyen Âge. Et ça repart, parfait comme un cathare sur le jure. Le château, c'est aussi par référence à Montségur, dernier bastion de la foi cathare. Les cathares, pourquoi? Parce que c'est aussi notre culture, notre histoire, le symbole que notre région aurait été mise à feu et à sang par les croisés et l'inquisition. Et puis on aime ce qu'ils représentent, mort pour leurs idées, c'est pour cela qu'on les chante. Et pour ça que notre possi s'appelle la secte, notre hérétique, notre hérésie qu'il faudra que tu respectes. Alors Moyen Âge 1, le mot de la fin? Non, rien, retiens juste que Moyen Âge 1 a les usages d'une secte. Moyen Âge 1. Les usages d'une secte. Moyen Âge. Moyen Âge.